Et salut tout le monde, c'est Oxymose et aujourd'hui on se retrouve pour un case opening de malade. Aujourd'hui je suis sur OpenCSGO et ces gros tarés m'ont soldé mon compte, non pas à 100$, 100$ c'est... Je sais pas, c'est trop facile 100$. 200$? Ah ouais, c'est beaucoup mais pas assez. Ces gros tarés m'ont soldé mon compte à 300$. Ouais, 300$. Ils m'ont donné 300$ que je dépense dans leur site. Et c'est des gros tarés. Donc voilà, cette vidéo elle est en partenariat avec OpenCSGO. Je les remercie énormément parce que 300$ c'est beaucoup trop. Alors dans mon dernier case opening CSGO, je vous ai dit de m'envoyer via mon trade URL tous vos skins de merde pour que je puisse en faire des contrats d'échange. Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des skins, ça fait super plaisir. Mais je vais pas faire les contrats d'échange aujourd'hui, mais dans la prochaine vidéo. Donc continuez quand même de m'envoyer vos skins. Je prendrai le temps de chacun vous remercier dans ma prochaine vidéo du coup. Je vous mets mon trade URL en description. J'en profite aussi pour vous dire que dans la description, il y aura mon lien d'affiliation OpenCSGO. Si vous utilisez ce lien en vous inscrivant, vous aurez une caisse gratuite à ouvrir. C'est pas génial ça? Et pour finir, la semaine dernière, j'ai fait un unboxing d'un clavier gamer et d'une batterie portable super cool. Je vous conseille d'aller la voir. Le lien est dans la description. Et dernière chose, les liens de tous mes case openings sont aussi en description. Ah, ça fait beaucoup de choses dans la description. Au moins, vous avez du contenu. Pensez à lâcher un énorme like à cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et je pense qu'on va pouvoir commencer. Oh, si vous savez à quel point j'ai envie d'ouvrir ces caisses. Depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder les skins qui ont été gagnés par les joueurs. Et je vois que des cuts. C'est tellement énorme. Et on peut voir qu'il y a déjà eu 10 millions de caisses qui ont été ouvertes par les joueurs, c'est absolument incroyable. Je dois vous avouer que je sais pas quelle caisse je vais ouvrir en premier parce que je sais pas, j'ai tellement d'argent les gars, je sais plus quoi faire, je perds mes moyens. On va commencer par la caisse vraiment soft, la moins chère qui a 35 centimes, la 1000 spec. C'est la caisse que vous pourrez ouvrir quand vous aurez mon lien d'affiliation. Donc voilà, vous avez beaucoup de skins mais c'est les skins qui valent pas très cher quoi. On l'ouvre et c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut avoir les amis? Ah, le saut du jeu est fort. Voilà, on a eu un Urban Hazard, un MP7, qui vaut 11 centimes, donc voilà. Ça, c'est la caisse que vous pourrez ouvrir. Ah, ça serait le feu si j'avais la Mecha Industrie ou la Cyrex. Bon, allez, on l'ouvre. Attention. Oh là là, j'espère qu'on aura un bon truc. Prions. Attention. On aura la Basilique. Une M4 qui vaut 2 balles, d'accord. Vous savez quoi, on est fou, on retente. Allez, c'est parti les gars, j'espère qu'on aura un truc mieux que la basilique. Ouais. Oh, ouais. Oh, ouais. Oh, la Hot Rod. Oh, oh. Oh, mon... Elle vaut 100€. Elle vaut 100€. Je viens de gagner un truc à 100€. Oh, non. Oh, je suis choqué. On retente. Réessayez, on retente. Oh, je suis choqué. Oh non. Ah, elles vont 24€. Oh là là. Oh, ça... Ah, ça va. Bon, elles vont 24€. On est rentable. On est grave rentable. Mais elles vont 24€, bordel. Oh là là. Mais elle nous met trop bien cette caisse. Elle nous met grave bien. Bon, on va changer. Ah, mais elles nous... J'ai plus les mots. Voilà. Oh, elles nous ont grave mis bien ces caisses. Alors, on va continuer. On va ouvrir des caisses fate. C'est des caisses que j'ai toujours voulu ouvrir. Ça coûte 10€. Et là, il y a la possibilité d'avoir des cuts. Donc, il y a la possibilité aussi d'avoir des cuts de merde. Mais il y a beaucoup de cuts. Donc, j'espère qu'on va en avoir un. En tout cas, c'est sûr. Aujourd'hui, on va avoir un cut dans cette vidéo. Parce qu'on va ouvrir une caisse cut, bien sûr. C'est parti. 9,99€. On lance la caisse fade. Et on va voir si on aura un truc bien. Allez, ça défile. Et on aura un P2000 Amber Fade. Donc, un truc... C'est de la merde. C'est de la merde. Faut se l'avouer, c'est un peu de la merde. On réessaye. J'ai vraiment envie d'avoir un bon truc là-dessus. C'est parti. Go. Oh, un cut, non. Revolver Fade. Ok, d'accord. Bon, c'est... Oh, 52€. Si c'est le vrai prix, je suis étonné quand même. On va ouvrir une caisse à WAP, tiens. Donc là, on a la Dragon Lore qu'on n'aura jamais. Hein, faut se l'avouer, on l'aura jamais. La Médusa non plus. Et il y a plein d'autres AWAP, donc c'est plutôt cool. Moi, je veux la Asimov, comme ça, j'aurais complété ma collection d'Asimov. Ça serait cool. C'est parti, les gars. 4 boules. Et j'espère qu'on aura un bon truc aussi. Alors. Le suspense est à son comble. Oh non, Pit Viper, non, me fais pas ça, elle est dégueulasse. La chance n'est plus présente. Et quand la chance n'est plus présente... On appelle Swagouin, et oui les gars, c'est Swagouin qui va ouvrir la prochaine caisse et on va recommencer avec la WAP parce que là c'est pas possible. C'est parti Swagouin,
Voilà, il ouvre la caisse. Allez, Swagan, la dernière fois, j'ai pas eu de chance avec toi, mais là, j'espère que ça va aller mieux, là, quand même. Allez, 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 allez. Hyper vite. Non, Safari Mesh, ok. Swagan, tu me fous la poisse des fois. Hein. On va ouvrir une caisse M4A4, donc il y a plein d'M4 dedans, et la plupart sont belles aussi. Hein. Il n'y a pas vraiment d'M4 que j'aime pas vraiment. J'aime tout ce qui est coloré, on va dire. Surtout la jaune, là, la Owl. Si on l'a, c'est le feu. Hein. C'est parti. Allez, une petite Owl, ça serait cool. Pour 6 balles, j'en doute fortement, mais c'est pas grave. Oh, une M4 Dragon, Dragon King. 11,85, plutôt cool. La K47, on en avait pas fait, tiens. 3,95. Une petite Fire Serpent. Je ne renierai pas la Fire Serpent si je l'ai. Oh, une rouge qui est passée. Une Safari Mesh, bien sûr. Tout le monde adore les Aweb Safari Mesh. 17 centimes, mais voilà. On va être riche grâce à ça. Oh, on a une petite caisse ultraviolet à 2,50 $. Il y a la possibilité d'avoir 3 cuts ou 2 armes de merde. Allez, c'est parti, les gars. On lance, on lance. J'espère avoir un cut vraiment, vraiment. Attention, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et non, c'est un 5-7. Swagan, reviens, j'espère que tu vas mieux me porter chance. J'ai pas envie de m'arrêter là-dessus. Allez, on réessaie, Swagan. C'est parti. Swagan, 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 Swagan. Oh, 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 non. Oh, non. Le mec, oh non, oh non. Non, on a eu que de la merde. La covert, c'est quoi ça, la covert? Ah, on peut avoir que des armes rouges. Ah bah, ça me tente bien, ça. Ça me tente bien. Ok, bah, on va ouvrir ça, c'est 6 €, d'accord. C'est parti. Go, go, go. Oh, il y a que les armes rouges qui passent. Ça, ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir. Et on tombe sur une Galilaer Charterbox qui vaut 1,77 €. C'est pas bien, ça. Allez, on réessaie une dernière fois. Et on va voir ce qu'on aura. Allez, allez, s'il te plaît, donne-moi un bon truc, donne-moi un bon truc, donne-moi un bon truc. Go, go, go. Oh, j'y ai trop cru, il y avait une Médusa qui était à côté. J'y ai tellement cru. Il nous reste 188 $, on n'a même pas dépensé la moitié. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'ouvrir la caisse couteau? Je pense que si. Alors là, on a 79 $ et on peut forcément gagner un cut. Alors, on aura sans doute de la merde, genre des vieux knives comme ça, là, les Butterfly, Boreal Forest ou je sais pas quoi. Ou on peut avoir un beau petit carambit, on sait pas, un Tiger Tooth, pourquoi pas, une baïonnette, je ne sais pas. Je ne fais pas participer Swagan parce que je sais qu'il va me mettre dans la merde. Je sais pas si j'aurai de la chance, j'espère bien parce que ça vaut 80 boules. C'est parti, on ouvre la caisse, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je prie. Dieu, Dieu Valve, Dieu Gaben, c'est pas Gaben, ouais, s'il te plaît. Non, non, on a eu un que... Ah, 61 $ quand même, 61 $. C'est pas négligeable comparé au prix de la caisse. Gold réserve, oh là là. Oh là là, gold réserve. Ah, je veux ça, moi. Allez, on ouvre ça. On ouvre ça pour 4 $. Celle-là me tente bien. Allez, 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 s'il te plaît. Oh, je suis passé à ça de la Dragon Lore. Le seum est présent. Staff only, on va tester cette caisse. Oh, la M9 baïonnette. Oh, on peut avoir des trucs stylés. On l'ouvre. C'est parti. Go, go, go. Allez, il y a des knives sympas qui passent là. J'espère que je vais tomber sur un truc bien. La Dragon Lore. Oh, Aquamarine Revenge, j'avais combien? 18 $. Oh, c'est grave rentable. On réessaie. En général, quand on est rentable sur une caisse, il faut jamais ouvrir une autre après parce que du coup, on va avoir un truc pas rentable. En théorie. Oh, on est passé à côté d'une Owl. On retente une troisième fois, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, on retente. J'ai pas cette... Oh non, on est passé à côté de 3 cuts, lore. C'est quoi ce truc? On retente, elle me fait trop... Je sais pas, je suis un gros pigeon de la société, mais c'est pas grave. Non, je passe à chaque fois à côté. Alors, je sais que les caisses de Val, en général, quand tu passes à côté d'un vrai cut, c'est que t'as de la chance. Mais là, c'est plus pour nous allécher, c'est vrai. On n'a pas fait les Glock 18, on va les faire. Ah oui, on en a pas beaucoup et la probabilité d'avoir un Glock Fate est vraiment limitée comparé au prix. Je pense pas que cette caisse soit vraiment rentable, mais on va quand même l'ouvrir. Donc, c'est parti, les potes. On voit les skins défiler, j'espère qu'on aura un bon truc. Voilà, non, ok, d'accord. No way. Il y a la Elite à 30 boules, mais je sais pas si ça serait vraiment rentable de l'ouvrir. Oh, trop tard. Trop tard, j'ai cliqué. C'est mon doigt qui a cliqué, hein. C'est pas mon cerveau. J'espère qu'on aura un bon truc. Oh non, pas ça. À 5 €, ok, on s'est fait niquer. La banana, qui l'aime, plaît bien aussi.
Je vais la tester. Pour 2,50. Oh wow, tous les skins jaunes. Ouais, non, on peut avoir de la merde aussi. J'ai vu tous les cuts jaunes, je me suis dit, ouais, cool, mais non, en fait, non. On va pas avoir de cut. Le mec, il dit que c'est perdu d'avance. Il faut pas penser comme ça, il faut pas. Oh là 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 là, non, ok. Nucléaire, s'il te plaît, non. Oh, la négève en plus. On ouvre une dernière caisse fate, parce que celle-là, elle me fait vraiment l'œil, je vous dis. J'en ai ouverte plein, mais il faut vrai... Je sais pas pourquoi, je sais pas. Cette caisse, il me dit, Oxymos, donne-moi ton argent. Elle me dit ça, la caisse. Oh, oh, non, ok, d'accord, non. Donc voilà les gens, il nous reste 2,28$. On n'a pas assez d'argent pour se racheter des bonnes caisses. Et on a tous les skins que j'ai gagnés. On peut voir que tous les skins que j'ai gagnés pendant ce case opening valent 323$. Et qu'on m'a filé 300 boules pour faire ce case opening, donc je suis rentable. Et après, il y a quand même beaucoup de skins de merde qui valent 1€, 1,50€, 2€, etc. Donc voilà, j'ai vendu tous les skins de merde que je voulais pas. Et il me reste quelques bons skins qui valent plutôt cher. Et du coup j'ai réussi à récupérer 50$. Donc je propose qu'on redépense ces 50$ dans des nouvelles caisses. On va réessayer encore une fois sur les M4. Parce que ouais, elle me plaise vraiment. Allez, c'est parti, c'est parti. Go go go. Allez, une arme rouge s'il te plaît, une Sirex ou je sais pas quoi. Oh, c'est celle que je voulais. Oh, c'est celle que je voulais. Elle vaut 23$. Oh, c'est exactement celle que je voulais. Oh, je suis trop content. Je suis refait. Ces caisses, hey, si vous allez sur ce site, vous ouvrez des caisses M4. Elles sont soit rentables ou soit... Enfin, en fait, les skins sont rentables et en plus, ils sont jolis. C'est le combo parfait, quoi. On n'a pas fait les caisses USP, tiens. Ah ouais, mais c'est peut-être que les USP, c'est un peu de la merde. Bon, on va quand même en ouvrir une parce qu'on peut peut-être avoir un bon truc, je sais pas. Mais oui, les kills confirmés, la plus chère, elle vaut 30 boules, je crois. Donc, c'est pas fou. Ouais, d'accord. Ok, j'ai eu raison. Une banana kill. Non, je sais que j'aurais pas un truc rentable là-dedans. Oh allez, on y va. J'ai failli pas cliquer dessus, si j'ai un bon truc, je suis trop content. Allez. S'il te plaît. Ok, non, 5-7, c'est de la merde. D'accord. 7,95, j'ai plus assez. Nickel. On vend celle-là. Et 9,95, et ça vaut combien? 9,99, mais non. Je suis à 4 centimes de rouvrir une dernière caisse fade. Ah, on va rouvrir une caisse à WAP, ça se trouve, on peut avoir un petit peu plus de chance. Allez, c'est parti. Oh, une redline, ça aurait été plutôt pas mal. Pit Viper, Burk. Dégueulasse. Bon voilà les gars, il nous reste 97 centimes. Je pense qu'on va finir par ouvrir plein de petites mix packs de merde. Et si on est rentable, bah on les revend toutes pour refaire d'autres caisses. Mais je pense pas que ça soit possible. Allez, c'est parti. Comme ça, ça me fera des caisses, des skins en plus pour mes prochains contrats d'échange. Alors, ouais, une spectre, ça vaut combien? 16 centimes. Dommage. Donc voilà les gens, je pense qu'on en a fini avec ce case opening. Regardez tous les items que j'ai gagnés. Et ceux qui ont l'espèce de vendre ou de envoyer, c'est ceux que j'ai gardés. Donc voilà, on a gagné pas mal de skins. Et j'ai gardé l'équivalent de 300$. Donc c'est ce que le site m'a donné au début. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Tous les liens sont dans la description. Allez voir la description, c'est obligatoire. Vous allez la checker, c'est obligatoire. Vous la lisez du début à la fin, s'il vous plaît, je vous en supplie. Et comme d'habitude, pensez à commenter, à liker, à partager, c'est le plus important. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis, c'était Oxymos pour vous servir. Allez, ciao.